Les premières discussions entre Sainz et Mercedes ont eu lieu. Oh là là, génial. Hein. Great, great, great. Charles Sainz, Mercedes driver. Ça sonne pas bien hein, quand même. Hein. Sainz est régulièrement lié à un déménagement chez Audi. Mais ils ne courront pas en F1 avant 2026. Bah, franchement, il pourrait très bien aller chez Stake en 2025, préparer le terrain un peu dans l'équipe, et être avec Audi donc déjà en 2026. Moi, je pense que ça, c'est le plus probable, honnêtement. Je le vois pas chez Mercedes en vrai. Donc, tout ça pour dire qu'au final, le Corriere dello Sport a rapporté qu'avant la course, les délégués de l'équipe du pilote espagnol et de Toto Wolff se sont rencontrés, donc le management de Sainz et Toto se sont rencontrés. Mais honnêtement, il y a mieux quoi. Il y a mieux que Carlos Sainz. Il n'a pas l'étoffe de Mercedes. Je trouve. Il n'y a pas le profil Mercedes. Carlos. Après, c'est pas un mauvais pilote. Je suis pas en train de dire ça non plus. Mais je sais pas, il colle pas bien l'image de Mercedes, je trouve. Bon, écoutez, c'est pas moi qui décide encore une fois. C'est Toto. Donc, bon. Moi, je vois pas chez Mercedes, hein, Carlos. Je vois plutôt chez Stake, comme j'ai dit quoi, en 2025. Je vois pas où est-ce qu'il pourrait aller ailleurs, en fait. Pour moi, c'est soit Steak, soit Mercedes. Il n'y a pas 36 000 choix. Ciao.